Tov, Beshem Hashem, Naase, Benatzliach, on est aujourd'hui, Boker Tov. D'abord et avant tout, Veshana Tova, Mutuka, en mercredi 27 du mois d'Eloul, le 16 du mois de septembre. Bracha Revacha, Be'atzlacha, à vous tous, Bezrat Hashem. Shiur acheté aujourd'hui par notre amie Sarah Tapiro, Bezrat Hashem, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits qu'il lui a apportés et toute l'équipe d'Oel Moshe. Toda, Rabba, Sarah Tapiro, Mamash Hashem, Varech Otach, merci de penser à nous. Très, très, très gentil, Mamash. Tiskoulim zot masim tovim. On sera avec nos sages racontes, justement, la rencontre de Yitzhak avec Rivka, puisqu'on s'était arrêté là, après que Eliezer soit arrivé chez Betuel et Lavan pour ramener la Kala de Yitzhak. Donc, beaucoup de bonheur, Bezrat Hashem, Sarah Tapirou, une excellente année chez vous. Et tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, vous nous souhaitez du bien, que Dieu vous le rende au centuple. Toda Rabba, on pensera à la refoua shlema de tous les malades d'Israël. ובכללם את מורת מי הקדושה והתאורה, שם ברך אותה. שרת עליה בת אפרת מרים, סמיואל, סלומון ז'ורנו היקר, ינאי בן אסתר, אבייס, אבייס, לאה בת קתי אסתר בעזרת השם, לאילו נשמת כל מתי ישראל, סום פליטרדה, וקומנס לשיעור. הלו. בשעה השישית של היום קמו רבקה ונערותיה ודבורה מנקתה. דונק, הבנו לה סיזיאם אור דולה ז'ורני, וואלה כ... Maintenant, il va falloir que Eliezer, serviteur d'Abraham, revienne avec la Kala, donc j'ai nommé Rivka, vers Eret Israël, car Yitzhak ne peut pas sortir du territoire d'Eret Israël. Il est en confinement depuis sa naissance jusqu'à sa mort. En Eret Israël, il a vécu 180 ans, comme on verra plus tard. Et donc, c'est sa femme qui viendra jusqu'à lui. Et donc, qui était avec... avec Rivka depuis sa sortie, eh bien, sa nourrice du nom de Dvora. Valchou Achare Eliezer. Et elles ont suivi Eliezer dans les règles et la pudeur de la halacha. Ugvar Beshaha Tishit. Alors qu'ils étaient sortis à la sixième heure, à la neuvième heure, Igiu Hevrona Be'et Aminha. Ils sont arrivés, donc trois heures plus tard, pour un voyage qui aurait duré peut-être deux semaines, ils sont arrivés trois heures plus tard, directement à Hevron, à l'heure de Mincha. Qui pitzlaem kadosh baruch hu et aderech, car kadosh baruch hu a fait ce qu'on appelle le kitzur derech, il a raccourci la route sous leurs pieds. Rabbi Moshe Derim, mon rav, était capable, il m'avait dit un jour qu'il l'avait fait, de le faire. Je ne sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Bon, aujourd'hui, on a le TGV en France pour pouvoir le faire, ceux qui veulent, mais ça a raccourci la route, et l'avion encore plus rapide. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et ils ont fait en trois heures ce qu'ils se faisaient à d'autres chameaux en deux semaines. Kshigiu Karov le Be'er Sheva, quand ils sont arrivés à proximité de Be'er Sheva, Nas'a Rivka et Ne'a Bera'ata Ish Adur Bilvusho. Et quand ils sont arrivés par la suite à Be'er Sheva, elle a vu un homme se tenir au milieu des champs avec une très belle parure, un très très beau vêtement sur lui, tel un roi. Omed Basade, qui se tenait au milieu des champs. Kapav Perusot la Shamaim, et ses deux mains étaient levées vers le ciel. Umal Achashem Omed Alav le Shomro, et elle pouvait voir de ses propres yeux un ange se tenant près de lui pour le préserver de tout mal. Comment se fait-il que Rivka était capable de voir des choses pareilles? Réponse, quand on fait attention à ce que nos yeux ne regardent pas d'interdit, il n'y a pas de poussière dessus, donc on voit ce que les autres ne voient pas. Ishtomema Rivka Veshalait Eliezer. Rivka a posé une question et a dit à Eliezer, très étonné, Shema Yodea U Mi Hu Oto Aish. Et elle dit à Eliezer, peut-être que tu sais qui est cet homme qui se tient au milieu des champs. Amarla Eliezer, lui a dit Eliezer, qui est Yitzhak ben Avraham? Car c'est Yitzhak, le fils d'Avraham. Et tout de suite a compris Rivka de qui il s'agissait. Sharta Alea Ruach HaKodesh. Et elle s'emprunt du Ruach HaKodesh, de l'Esprit divin. Vera Ata ki Atida la Ledet Lo Ben Racha. Venivhala Admeod. Et là, Rivka, quand elle a vu Yitzhak, elle a un esprit, comment dire, l'esprit divin, comme une prophétie qu'il a investie, et elle a vu que de leur union naîtrait un homme racha, mécréant, père d'une nation puissante jusqu'à la fin des temps. Et elle s'est couverte par pudeur, mais elle est tombée carrément du chameau. Elle a fait une chute, elle est tombée par terre. Donc ils l'ont levé, ils l'ont immédiatement emmené dans la maison d'Abraham,
Vesham, Siper, la Emeliezer, Kon, Ifleot, Hashem, Bedarko. Et comme dans l'habitude, dans la maison d'Abraham, comme savent très bien le faire les Juifs, d'ailleurs, c'est à Moussa Raskel qu'on a l'habitude, nous, de faire ici, de temps en temps, le Shabbat, quand on est tous réunis, je dis, allez, racontez-moi un miracle que vous avez vécu cette semaine ou dans le mois, racontez-moi, et c'est marqué dans la Torah. Dès qu'arrive Eliezer, il leur dit, est-ce que vous pouvez m'accorder quelques instants? J'aimerais vous raconter combien Dieu m'a sorti de mes problèmes. Regardez ce qui s'est passé. Je devais partir pour tant de jours. Je suis arrivé après 3 heures. Il s'est passé ça. Ils ont essayé de m'empoisonner. Et Dieu, il a fait un miracle. Le poison est rentré dans la bouche de Bethuel, non pas dans la mienne. Il aura raconté tous les miracles qu'a vécu Eliezer avec la rencontre près du puits. Et né Niftehu Daltot Oel Sarah. Et d'un coup, il s'est passé un miracle. C'est que la tente de Sarah était vide puisque Sarah n'était plus. La nuée de gloire qui était au-dessus de Sarah est réapparue. La tente s'est réouverte, les bougies se sont réallumées et le pain était toujours préposé. Et dès qu'est rentrée Rivka donc dans la tente de Sarah, les lumières se sont allumées en l'honneur de la venue de Rivka, cette grande tzadikette qui s'était préservée de toute impudeur et de toute conduite, ras ve shalom, suspicieuse. Et cette lumière s'est propagée dans toute la maison. Yada Yitzhak qui igdil Hashem imo. Yitzhak a compris que Rivka était la digne héritière spirituelle féminine de Sarah. Et Yitzhak s'est tout de suite consolé de la mort de sa mère en épousant Baruch Hashem Rivka, car il comprit qu'elle était de la même valeur spirituelle que Sarah. C'est vrai qu'il y a des parallèles incroyables parce que Sarah vient pas d'une famille religieuse, mais le contraire. Et elle a grandi dans une pureté hors du commun. Rivka est aussi belle pratiquement que Sarah aimait nous. Elle vient d'une famille de mécréants. Et malgré tout, elle est restée, on ne peut plus, pure, à un point où Dieu résidait en elle. La kach Yitzhak et Rivka l'oleisha. Et donc Yitzhak s'est marié avec Isha. Il y a une question qui se pose avec Rivka. On a vu que quand elle a vu Yitzhak, elle a vu Beruah HaKodesh qu'elle allait avoir un enfant rachat et elle est tombée. Alors ici, ce n'est pas marqué, je ne sais pas pourquoi, mais dans d'autres livres, c'est marqué qu'elle a refusé de se marier avec Yitzhak. Et qu'elle a eu, en d'autres termes, après un Ruach HaKodesh très fort, et elle a vu qu'elle allait avoir un tzaddik. Alors pour le tzaddik, qui allait donner naissance par la suite aux 12 tribus d'Israël, puis le peuple d'Israël, Aditratna. Une autre explication qui dit qu'elle a vu un rachat, mais elle n'a pas voulu au début épouser Yitzhak parce qu'elle a dit, mais toi, tu viens du mérite. Toi, tu as Abraham et Sarah comme mérite au-dessus de toi. Moi, je n'ai pas de mérite. Moi, je viens de Bethuel et de mon frère Lavan. Ça veut dire, je viens d'une maison de mécréants. Peut-être que dans mes entrailles, il y a quelque chose d'impur qui vient de la semence de mon père, qui sera une tâche dans la neshama des enfants que j'aurai. C'est que l'humilité de Rivka était tellement grande qu'elle s'est sentie impropre d'épouser Yitzhak, de peur de ne pas lui donner une descendance digne de lui. Pour vous dire qui était Rivka Imenu Aléa Shalom, quelle tzadikette elle était, tellement elle avait honte. Il faut savoir que cette honte va la poursuivre toute sa vie durant, puisque Rivka se fera enterrer seule, de peur qu'on prévienne sa mort et que son fils, le Racha, vienne à l'enterrement et qu'on dise quoi, c'est ça le fils de Rivka, tellement elle avait honte de la naissance de cet enfant mécréant. Et Yitzhak comprit qu'elle était digne de prendre la place et l'attente de Sarah Imenu Aléa Shalom, qui doma Ila Bechol Bechol Alichotea, car elle ressemblait en tout point aux valeurs générales de Sarah Imenu. Miad, Im Knisata Loel Sarah, Hazra Arvaha Shaita Beme Sarah. Et au moment où elle rentra, donc il dit ici dans le Midrash, Rivka rentra dans la tente de Sarah, toute l'abondance revint. Toute l'atmosphère se remplit de joie dans le camp d'Avraham Avinu. Bimlo Odava Adara, avec toute la splendeur et les lumières et les bénédictions qui existaient et qui résidaient à l'époque de Sarah Imenu Aléa Shalom. Et Kevan Shaita Rivka Doma les Sarah Bakol, étant donné que Rivka Domé ressemblait à Sarah en tout point, Ashkiach Adava Revlo, chez Yitzhak Simcha Oto. De là, les Chachamim ont dit d'ailleurs qu'un homme ne se console de la mort de sa maman que le jour où il se marie, ça vient de ce verset-là, où Yitzhak a retrouvé enfin le total sourire et s'est consolé du départ de sa mère qu'il avait. D'ailleurs, un minag comme ça qui dit, pas un minag,
Il y a une philosophie qui dit qu'un homme, quand il se marie avec sa femme, il recherche un peu sa mère. Et quand une fille se marie avec un garçon, elle recherche un peu son père à l'intérieur de son mari. Il y a un peu cette notion-là, et c'est ce qu'il dit ici dans le Midrash. C'était Yitzhak a retrouvé un peu sa mère, mais Chas v'Shalom ne commettait pas l'erreur de faire de votre femme votre mère. Après, vous allez lui dire, elle n'était pas ma mère. C'est une grave erreur. Un mari, c'est un mari, une femme, c'est une femme, et une mère, c'est une mère. Gam Eliezer kibel sraro, mais boré olam. Et même Eliezer a reçu un salaire de Dieu lui-même pour avoir accompli cette très grande mitzvah de faire un shidour. Vous savez qu'il y a une mitzvah de payer un shidour. Il est impératif, quand quelqu'un vous fait un shidour, de lui donner un cadeau, de lui donner de l'argent. Comme on le voit ici, le din Midrash, tout de suite, Akadosh Baruch Hu organisa le salaire de Eliezer qui avait fait le shidour entre Rivka et Yitzhak. Al Shegamal Chesed Yitzhak Ben Adono, car il avait fait du bien à Yitzhak de faire rencontrer enfin sa femme, car un homme ne peut être accompli sur terre que le jour où il se marie. Zachal Lachen Latzet, mi Avdut Lecherut, veotio Akadosh Baruch Hu, miklal Arur. Et Eliezer a eu pour cadeau d'Hachem, écoutez bien cela, non seulement d'être libéré en tant qu'esclave, mais la malédiction faite sur Kenaan, duquel lui-même était descendant, sorti de lui. Il n'était plus Arour, mais il devient Baruch. Il était béni et non plus maudit. C'est-à-dire qu'après cet événement-là, si, pour X raison, il aurait pas eu Rivka Hazé Shalom, il aurait pu marier sa fille avec Yitzhak. Mais Dieu a attendu qu'il soit marié pour le rendre Baruch. Shayabo kemo bechol zar'o shel Kenaan, ichniso bichlal Baruch. Et donc, il est passé de maudit à béni. Kach vechol kach lama, vivi chez Sheret et Avraham be Munak de là. Et ça se passera comme cela aussi pour tous les non-juifs. Nous dit ici le Midrash, puisqu'il avait servi fidèlement Avraham, Bezrat Hashem, à s'accomplir, ainsi les nations du monde, les non-juifs, qui prendront sur eux de respecter les sept lois noachides et aideront les juifs à poursuivre le chemin de la vérité, eux aussi passeront de Arour à Baruch, Dieu aussi les bénira, eux. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le parasha de Lecha, tout celui qui te bénit sera béni, tout celui qui te maudit sera maudit. Ugdola miso shichni sakadosh baruch hu et Eliezer le gan Eden. Et en cadeau final, Eliezer rentra directement au gan Eden le jour de sa mort, car il avait plu aux yeux d'Hachem d'avoir servi le père de la nation juive, Avraham Avinu, puis donné la sérénité et la maison à Yitzhak. Non seulement il fut béni sur terre de tous les bonheurs de ce monde, mais de qui plus est, à sa mort, il hérita aussi du monde futur. On s'arrêtera là aujourd'hui pour ce merveilleux shiur qui nous encourage tous. On voit la mitzvah, l'importance de la mitzvah de le shader shidouchim, Bezrat Hashem. Juste faites attention, je fais une petite parenthèse, quand vous voulez faire un shidour, que ce soit un shidour qui soit kasher. Comme par exemple, des fois, il y a des gens qui étaient mariés dans l'interdit, ils ont divorcé, ils veulent revenir ensemble, c'est un sourd de les remettre ensemble. Ou une femme qui s'est séparée de son mari sans avoir le guet, qui a trompé son mari, on veut absolument la remettre avec son mari en disant « Ma pitam, c'est assourd de faire des choses pareilles. » On veut la remarier avec « Chas v'Shalom » ou de marier des interdits de la Torah. Il faut vraiment vérifier, comme l'a fait Eliezer, de qui es-tu, qui est ton père, qui est ta mère, qu'est-ce que tu as fait, d'où viens-tu. La Torah nous précise qu'elle était vierge de devant, de derrière, comme ça dit Rashi à Kadosh. Donc il faut faire très attention que quand on fait un shidour, ce shidour-là soit ilchatiquement valable et concevable. Comme une personne qui m'a raconté qu'elle avait fait un shidour entre une femme divorcée et un Kohen, et je lui dis, mais pourquoi t'as fait ce shidour? Il est assourd. Ouais, j'ai appris ça après, je ne savais pas. Faites attention de ne pas faire des shidours qui viennent des forces du mal, mais des shidours qui viennent des forces du bien. Et vous verrez, bracha, batzlacha, bechol, maasei yadechem. Kol tov.